Bon, j'ai l'impression que je le dis tous les jours, mais on roule encore sous la tempête, là c'est terrible les gars. C'est un enfer. Il est 8h30 du matin, on part pour une sortie qui va durer toute la journée. La journée va se composer en plusieurs missions. Là on va rejoindre la sortie Skoda organisée par Cycle de la Loire Carquefou. Et cet après-midi, si tout se passe bien, parce qu'il s'annonce vraiment pas beau, on partira avec le groupe de la Chapelle-sur-Erbe. Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai repris les sorties en endurance. Vous l'avez pas forcément vu sur YouTube, donc aujourd'hui je vous emmène avec moi sur une grosse sortie. Et comme ça on aura le temps de raconter tout ça. Et la première vraie mission, ça va être d'arriver à l'heure à Cycle de Loire. Tout simplement parce que là le Google Maps nous indique 9h32, le rendez-vous est à 9h30. On va retracer un peu là. Bon, la première bonne nouvelle, c'est que malgré la pluie qui est annoncée, il fait super chaud. Là, j'ai chaud avec mon kawaii. Donc bon, au moins on sait que s'il pleut, on n'aura pas froid. Et pour aller jusqu'à Cycle de Loire, c'est une piste cyclable, toujours tout droit. C'est dommage qu'une aussi belle piste cyclable soit pas entretenue, parce que c'est vrai que ça casse un petit peu tout son charme. En tout cas, le vent d'eau, il carie de ouf. Du coup, je roule super vite et même pas besoin de forcer, je vais arriver là-bas. J'aurais pas transpiré. Bon, vous l'avez remarqué, de toute façon c'est dans le titre de la vidéo, j'ai un nouveau vélo, mais on en parlera au fil de la vidéo. Et voilà, on arrive les amis, on va voir s'il y a beaucoup de monde à cette sortie Cycle de Loire X Skoda. En tout cas, moi j'ai déjà 20 km au compteur pour y aller, et c'est comme ça, en se mettant plein de petits objectifs, qu'on va réussir à faire une grande sortie aujourd'hui les amis. Cycle de Loire, avec leur partenaire Skoda, organise très régulièrement des sorties pour débutants, qui comme aujourd'hui, avec plusieurs circuits de débutants à experts. Aujourd'hui, on part pour le circuit expert. 75 km à parcourir. C'est vraiment des sorties bon enfant. Comme vous pouvez voir, il y avait des casquettes qu'on pouvait prendre. À la fin de la sortie, il y avait des galettes des rois. L'idée ici, c'est vraiment de se rassembler. D'ailleurs, on était très nombreux parce qu'on était plus d'une soixantaine au départ de cette sortie. Et parmi tous ces beaux vélos, il y a le mien, effectivement, comme vous avez pu voir, je suis sur un nouveau vélo, un Cannondale. C'est l'ancien vélo de mon frère qui arrête le vélo cette saison. C'est le vélo que je vais utiliser pour l'instant. Et voilà, nous voilà sur la ligne de départ, en quelque sorte, de cette sortie. On s'en va tous ensemble. Du coup, il y avait plusieurs groupes au départ. On est parti sur un petit groupe d'une trentaine pour la sortie expert de 75 km. Bon, malheureusement, le temps n'était pas vraiment avec nous. Pour l'instant, ça pleut très légèrement, mais vous allez voir que ça va se dégrader tout au fil de la sortie. Faut savoir que sur ce genre de sortie, il y a quand même beaucoup de débutants, donc faut rester très vigilant quand même à la chute, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rouler en groupe. Voilà si je peux vous donner un petit conseil. Comme vous l'avez compris, c'est une sortie qui est organisée en partenariat avec Skoda We Love Cycling. Bon, on entend beaucoup parler de ça. Du coup, il y avait un des ambassadeurs qui était présent, l'ambassadeur des Pays de la Loire, tout simplement. Et regardez, le groupe avait quand même fière allure. Bon, ça y est les amis, on est dans le groupe. Bon, qui dit nouveau vélo dit nouvelle position, tout simplement parce que sur chaque vélo, on n'a vraiment pas la même position. Ici, pour l'instant, j'ai la position que mon frère avait, tout simplement. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas à l'aise sur le vélo, donc j'essaye de le peaufiner en attendant l'étude posturale qui est prévue avec Cycle de Loire très bientôt. Bon, comme vous avez vu, j'ai profité d'une petite pause pipi du groupe pour descendre ma selle. J'avais terriblement mal au genou, je suis pas allé sur le vélo de mon frère pour l'instant. Le temps de faire une petite posturale, on va essayer de peaufiner ça un peu au feeling. Mais vivement la petite posturale parce que là j'ai vraiment mal et bon voilà, là j'ai laissé la selle, je vais avoir moins mal. Est-ce que je vais t'aller, ça c'est notre question. Voilà, maintenant on enchaîne les kilomètres, on a déjà 60 km au compteur. Pour moi, la meilleure technique pour faire un maximum de kilomètres, c'est de se mettre plein de petits objectifs comme ici, aller en vélo à l'entraînement, faire l'entraînement, rentrer en vélo. Ça permet de se mettre des obligations parce qu'on est obligé d'y aller et ça fait 20 km par-ci, 20 km par-là et forcément, ça fait une grande sortie à la fin. Bon, a priori, mon genou va mieux. C'est moins enflammé que tout à l'heure quand j'avais la selle trop haute du coup. Là je pense que j'ai la selle trop basse, donc c'est pas forcément confort, mais au moins j'ai pas mal. Donc on va pouvoir passer la sortie, c'est une bonne nouvelle. Par contre il pleut de plus en plus, ils annoncent tempête cet après-midi. Donc j'espère qu'on va pouvoir rouler cet après-midi et faire une giga sortie. Bon, malheureusement au fil de la sortie le temps s'est dégradé, comme vous pouvez voir là c'est vraiment la tempête. C'était pas forcément la plus agréable des sorties, mais heureusement il faisait pas froid. Donc au moins on n'était pas frigorifié.
Malheureusement, pour la sortie de cet après-midi, ça va peut-être être un peu compromis. Un truc qui est cool avec ce genre de sortie, c'est que du coup, on a une voiture qui nous suit ici, celle de Cycle de Loire, qui permet, par exemple, on a eu des crevaisons pendant la sortie. Du coup, il a pu réparer sa roue tout simplement pendant qu'on roulait, et après, il nous a rejoint, il a pu ne pas abandonner sa sortie tout simplement. Donc ça, c'était top. Et puis, comme ici, par exemple, je me suis fait sortir sur un feu rouge, et du coup, c'est la voiture qui va me ramener en derrière voiture. Donc ça, c'est quand même assez confort, surtout qu'il y avait énormément de vent, donc impossible de rentrer tout seul. Bon, j'ai l'impression que je le dis tous les jours, mais on roule encore sous la tempête, là c'est terrible les gars, c'est un enfer. Bon, les 75 km avec le groupe sont terminés, là on arrive au magasin de vélo. Maintenant, bah, faut réfléchir, est-ce que je rallonge, est-ce que je fais la sortie prévue cet après-midi. Là je sais plus du tout, je vous avoue, c'est la tempête, je sais pas quoi faire. Bon, du coup la sortie cet après-midi est annulée, hein, vous vous en doutez, vu le temps là c'est une catastrophe. Il faut quand même que je passe chez mes parents récupérer un truc, donc ça va me rallonger la sortie de 17 km supplémentaires. Et après, il faudra rentrer chez moi, il y aura encore 15 bornes. Donc ça me fera quand même une très longue sortie, donc c'est cool. Enfin, par rapport au temps qu'il fait, je pense qu'il y a pas beaucoup à rouler. Donc tout ça, c'est des kilomètres de route qu'on n'aurait pas fait, donc c'est parfait. Allez, c'est parti, on y retourne. Je sais pas comment rentrer chez moi, j'avoue, je me suis perdu dans une zone industrielle. Mon téléphone marche plus du tout, là, je sais même pas comment j'arrive à filmer. Je peux pas avec les doigts, le truc est trempé, ça, c'est impossible. Du coup, je sais pas comment rentrer, on va faire au pif là, et puis vas-y, je suis saoulé là. Bon, comme vous l'avez compris, c'est un peu compliqué de vlogger cette sortie. Mais là, je vous avoue, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Mais je me force quand même à aller chez mes parents chercher mes affaires. Ça me fait 20 bandes de plus, mine de rien. Et on sera vraiment déjà sur une sortie bien longue. Donc voilà, let's go. Et on se retrouve à la maison maintenant. Bon voilà, on est enfin rentré, ça résume totalement ce début de saison hivernale depuis que je suis rentré de Thaïlande. Toutes les sorties, c'est une catastrophe franchement. Et voilà le nouveau vélo, vous l'avez déjà vu de toute façon, c'est un Cannondale. Mais ce n'est pas mon vélo pour 2023, ou du moins, je sais pas. C'est mon vélo pour cet hiver. En fait, il faut savoir que c'est le vélo de mon petit frère. Mon petit frère arrête le vélo cette année, donc je lui ai piqué son vélo. Et le temps que je trouve un nouveau vélo pour 2023, eh bien, c'est le vélo que je vais utiliser. Donc je sais pas combien de temps je vais le garder. Il est en Ultegra DI2, le vélo il est ultra léger. Enfin franchement c'est un très très bon vélo. Donc très content. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée sur le vélo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je sais qu'en général ça vous intéresse. S'il y a plein de commentaires à ce sujet là, alors je vous ferai une vidéo dédiée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu venir un petit peu dans mon quotidien des entraînements et que voilà, vous voyez un peu ce que l'on vit tous au quotidien. À la prochaine, bye bye.